Thank you.
Alors Eric, une belle victoire, mais elle fut dure hein, quand même. Oui, mais bon, c'est une très belle équipe aussi. Donc voilà, maintenant je pense que, hormis le pénalty, malheureusement, encore une fois, on n'a rien donné d'autre. Voilà, on a été très très solide. On s'est vraiment battu les uns pour les autres. Et on se devait de donner une revanche un peu à nos supporters et à nous-mêmes par rapport à la prestation de la semaine passée. Je crois que ce fut le cas aujourd'hui. Et encore un pénalty de 22 bons. Oui, bah ça, voilà, c'est moi qui suis désigné. Après, je prends mes responsabilités et c'est 50-50, mais je suis à 3 sur 3, donc c'est parfait. Alors, voici si Liège premier maintenant, ben, c'est simple, il suffit de le rester jusqu'à la fin. Oui, mais bon, il reste 22, 23 matchs. Voilà, ça va. On va aussi avoir des moments un peu plus difficiles, donc là, ce sera au groupe d'être solidaire et de montrer de quoi nous sommes capables à ce moment-là, et la largeur du noyau aussi à ce moment-là, parce qu'on aura besoin de tout le monde, et c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus dans le dur en ce moment, mais la roue tourne vite en foot, donc voilà, il faut rester les pieds sur terre et bosser. Puis un déplacement ciné qui n'est pas facile. Hein. Non, c'est toujours difficile d'aller là-bas, c'est aussi un des favoris de la série, donc... Ils sont peut-être un peu dans le dur en ce moment, mais voilà, quand on reçoit Liège, on est toujours à 20-30% en plus, donc ça va être difficile et il va falloir bien bosser cette semaine. Et en attendant, on savoure la victoire et la première place. Oui, ben voilà, c'est une bonne chose de faite, c'est une belle victoire, ça va donner confiance à tout le groupe, à tout le club, aux supporters, mais il faut rester les pieds sur terre encore une fois. Merci Monsieur Van de Bon. Plaisir.